Salut les fans du foot, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les détails ahurissants du contrat de Lionel Messi à l'Inter Miami. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Les détails hallucinants du contrat de Lionel Messi à l'Inter Miami. Léo Messi va donc poursuivre sa carrière en MLS à l'Inter Miami où il va signer un contrat assez singulier. Je ne reviens pas au Barça. Je vais à l'Inter Miami. J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100%, mais on a décidé de continuer là-bas. Messi n'a pas laissé le doute lors de son entretien à Mundo Deportivo, durant laquelle il révèle ses intentions pour la suite de sa carrière. En parallèle, l'Argentin a refusé l'offre absolument énorme de l'Arabie Saoudite, aux grandes dames de son père Georges. Nous vous révélions que le pays du Golfe avait proposé un contrat de 1,2 milliard d'euros sur la table pour convaincre celui qui est toujours au PSG jusqu'au 30 juin. Il faut croire que l'Argentin n'a pas uniquement pensé au fait que la reconversion d'un footballeur est difficile. Pour sa famille, il a privilégié le cadre de vie plus séduisant de la côte floridienne. Qu'on ne s'en fasse pas trop pour lui non plus. Si tous les détails comme il a lui-même rapporté ne sont pas encore réglés, il ne sera pas à plaindre financièrement. D'après TicSport, la Pulga signera un contrat de 3 ans avec l'Inter Miami, avec la possibilité de s'en aller après 2 saisons en cas de consensus entre les deux parties. Cela devrait l'amener à 2025 ou 2026. Salaire, pourcentage sur les bénéfices et actionnariat. En Major League Soccer, le champion du monde aura évidemment un statut protégé, celui de designer title player, autorisé pour 3 joueurs par effectif. Cette règle, également appelée loi Beckham, permet aux franchises de fixer le salaire qu'elles souhaitent, sans risque de dépasser le salary cap. Ainsi, Messi devra toucher entre 50 et 60 millions d'euros par saison selon les sources. Pour permettre de financer cet énorme salaire, l'Inter Miami s'est associé à Adidas et Apple, avec qui elle a signé 2 accords récemment, indique Relevo. Messi touche un pourcentage des bénéfices réalisés dans le cadre de ces 2 contrats. Aussi, la MLS et Apple versent des revenus supplémentaires à l'Argentin en fonction des revenus générés par les droits TV du championnat, diffusés sur Apple TV+. Mais ce n'est pas tout. Messi pourrait carrément prendre des parts de sa nouvelle équipe et devenir l'un des actionnaires au même titre que David Beckham. Ça sera une manière de se rétribuer lui-même, puisque la dimension, la visibilité du club et les revenus qui vont avec sont mécaniquement en train d'exploser grâce à sa venue. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.